Âme sensible, s'abstenir, mon frère. Mais je suis obligé, attends. Oh là là. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les mecs. Alors c'est une vidéo que vous kiffez, parce que frère, elle réunit tout ce qu'on aime. La moto et la bouffe. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, au titre et à la miniature, on est parti chercher de la graillance, frérot. Là j'ai la dalle, et puis la flemme de me faire des pâtes les frères. Ben si, parce que pendant les vacances, c'est quoi ton repas? C'est que des pâtes. T'es solo frère, tu bouffes des pâtes. Avant que la vidéo elle commence les mecs, n'hésitez pas à me mettre 3000 pouces bleus. Et il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous avez vu que je tiens le rythme. Et que vous, vous êtes au taquet sur ça. Du coup bah mettez-moi 3000 pouces bleus et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ai envie de vous dire. Venez les mecs sur Instagram, parce qu'il y a quoi? À l'heure actuelle où la vidéo sort, il y a un nouveau concours ce soir à 20h qui sera dispo sur mon Insta. Du coup, le haut tiré du bas BGL. Voilà, on est bientôt 20 000, tu vois, je vais pas te mentir que pour pécho de la gonzesse avec 20 000 sur Insta, c'est plus simple, tu vois ce que je veux dire. Du coup, voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre et bonne chance à tous pour le concours et voilà. En petite précision, les mecs, ne mettez pas genre deux fois le même commentaire parce que quand je fais le tirage, je mets genre qu'il faut avoir commenté une fois et pas 40 fois, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc veillez bien à respecter toutes les conditions et good luck à tous, les frères. Bref les mecs, on est direct parti aller chercher de la graille là. Ah j'ai mon estomac frère, fou, j'ai rien mangé aujourd'hui. Ça va, le temps frère, ça va, parce que de base il devait prévoir que de la pluie pour les vacances. Et en fait chaque jour, bah il fait beau au lieu de pleuvoir. Il fait beau, c'est un très grand mot hein. Aujourd'hui il fait pas chaud mais bon, il pleut pas, il y a pas trop de vent donc ça va. Putain qu'est-ce que j'aimerais rouler à l'électrique l'été. Enfin, vas-y, le prix de l'essence, il se touche un peu, non? Ouais, je suis déjà en 6ème, ouais, vous avez vu, j'ai essayé de passer, là. Vous aimez bien ces petites vidéos, les mecs? Ces petits vlogs improvisés, tu vois, c'est pas vraiment des vidéos, c'est des petits motovlogs, des petits daily observations. Oh, la microcar, frère, pour qu'elle parte là-dedans. Hop, petit clignotant. Ah ça fait plaisir de vous refaire une vidéo là sous le soleil là. Ah ça fait grave plaisir hein. Bon attendez en deux spi j'ai les cordons du gilet là. Ah, j'appelle ça un gilet frère, du sweat là, il me tape dessus frère. C'est bon, je suis pas leur pute hein. Les mecs pour les vacances vous partez ou quoi là? Ça bouge un peu ou ça reste chez soi? De toute façon, si vous restez chez vous, moi je serai là pour vous divertir. Hein. Du coup, vrai, partez pas en vacances, restez, on va se faire des petites vidéos, on va se faire des petites sorties. En fait, c'est pour savoir. Les mecs, j'ai trop envie de faire genre un petit rasso, enfin, tu sais, une petite rencontre abonnée, une petite balade, une petite vidéo, tu vois. Mais en fait, je sais pas si je suis assez suivi pour le faire. Du coup, pour ceux qui sont dans le nord, est-ce que vous pensez que si je fais un bail comme ça, vous serez chaud de venir ou quoi? Si je fais, ça va être genre dans les alentours de Seclin. Enfin, ouais, ouais, dans ces alentours-là. Ça va peut-être pas être spécifiquement à Seclin, mais dans les alentours, vous avez capté. Donc en vrai, dites-moi s'il y en a qui sont chauds pour faire ça. Et genre 50, scooter, moto, tu veux venir en 450 CRF, frère, tu viens avec ton 450. Et voilà, on se fait une petite journée, une petite graille le midi, tu vois, un petit truc sympa, quoi. Mais en fait, je sais pas si je suis assez suivi, parce que tu sais pas, je vais faire le truc, et au final, je vais me retrouver, il y aura 10 personnes sur un parking, tu vois. Bah, tu vois, je serais déjà content, mais tu vois, j'ai peur de me retrouver solo, quand même. Bref, du coup, j'attends dans les commentaires, ouais, vas-y, chaud patate, on y va, frérot. Ça, c'est bien, ça fera un ranger, tu prends ça, là, derrière, tu mets une cross pélo, tu te cross state. En vrai, je pense qu'il y aura moins de personnes sur les routes hein, pendant les vacances. Enfin, je veux dire dans le nord. Les gens, ils vont tous dans le sud. Qu'est-ce que tu vas rester tes vacances dans le nord, frère? Il pleut, il fait pas beau, c'est horrible comme temps. Ice World. Wesh, il a l'air de tuer leur film. J'ai appris l'évitement, les mecs. T'imagines, là, t'évites pas et hop, tu te tapes une petite golf. Wesh, frère, il les fait bien, lui. Ah ouais. Mon ref, t'es en train de passer le mi-père ou quoi, là? Je te jure, il passe le permis. Jamais vu ça, frère. À 29, en plein centre-ville. Quelle honte, c'est honteux. Les mecs, vous êtes chauds, je vous fasse des lives là pendant les vacances. En vrai, à l'ancienne, je faisais v'là les lives sur ma chaîne YouTube. Hein. Mais je faisais des lives gaming. Venez là, on fait des lives mécaniques. Ah, ça serait des bars, ça. En plus des vidéos restauration.
petite vidéo mécanique, oh là là, pour voir mon talent de mécanicien, frérot. Bon allez, on se casse parce que je n'ai marre de le suivre, lui. T'arrives dans ta courbe. Valentino Rossi. Oh là là, le passage de vitesse. Oh là, il a chié le passage. On va décoller là. Gagne. Qu'est-ce que je te dis, la derby là, t'es bien là, t'es calé, t'es au régulateur limite. Arrête, tu trolls. Juste je rétrograde et ça me passe au vert. Alors lui il est tout le temps en rouge, je crois que je suis jamais passé de ma vie ici et t'es vert. Rentre au stand. C'est parti. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ah je sais pas, aujourd'hui je suis de bonne humeur là. Y'a rien qui m'a mis de mauvaise humeur ce matin, là je suis bien. Vas-y frère, tu dors la nuit, t'as un moustique qui vient de pépon. Sans autorisation, je peux dire le matin tu te lèves, t'as envie de tout casser. Ah ça me saoule. Je suis là des fois, je vous jure, j'arrive pas à dormir, je me bats avec un ennemi imaginaire. Je suis là frère avec l'oreiller, je vous jure, vous c'est pareil. Je suis là avec mes oreillers, je fais bah comme ça la nuit, ça tape de partout frère. Et ce fils de pute, il est toujours vivant, il arrive toujours à me piquer. Ah je vous jure c'est horrible. Allez-y, mais je vous en prie, le clignotant, c'est payant ? Non, mais je crois que c'est payant. Tu devrais avoir une déduction d'impôt si tu mets ton clignotant. Là, je peux dire qu'ils seraient tous contents sauf URSSAF. Ma, une priorité, ça ou quoi, là ? Oh là là. C'est bien, là, on va au McDo, après on va à Basic Fit, les mecs, c'est juste à côté. C'est carré, ça. Au moins, on va perdre les calories, là. On va se muscler, là, en deux spi. Après, on va aller taper tous les rageux qui disent que le kit 70, il marche pas. Le paquet, Eh, je vous avais dit une fois dans une vidéo, je passe là, je vois un 52, je pète un boulon parce que moi j'avais payé un 60. J'avais pas vu, c'était du 95. Vous roulez au 95 les mecs, vous, ou genre full 98? En vrai, c'est mieux de rouler au 98, hein. Après, le 95 est moins cher. Oh là là, et j'ai toujours peur que ça se retourne, ça. Oh là là, on va se faire une graille, frérot. Oh, il y a du monde ici en terrasse. Bonjour, je vais vous prendre en menu un triple cheese avec des frites. Oui, en grand moyen. En grand. Est-ce que vous avez de l'eau en bouteille? Non, ça va être que des gobelets. Ok, on, bah... On a plus de bouteilles en fait. Mettez-moi un coca. Après, ça va être de la bière, c'est de la bière en canette. Et après, je vais vous prendre une grande frite et une grande potatoes en plus. Ouais, de la sauce pomme frite en supplément, s'il vous plaît. Là, je peux vous en mettre 4 avec sans supplément, s'il vous plaît. Ok, bah nickel, ouais, faites ça. Ouais. Voilà. Non, ça sera tout. 14,50€ prochain mission. Ok, je vous remercie. Bam. Vas-y, ça me fout le seum, ils me mettent des trucs en gobelet. Sauf que je vais en foutre partout, frère. Comment tu veux que je transporte un coca en faisant de la moto? Je l'ai fait une fois, frère, j'étais mort. Bon, les mecs, faut mettre des pouces bleus pour payer le McDo. C'est pas le mec devant, il va m'entendre, il va se foutre de moi. Avec ta 307 HD. J'aurais pu pousser, mais j'avais comme la flemme. Ouais, sinon je pouvais venir avec ma Jaguar. Moi, je l'ai posé là, j'ai préféré. Bonjour. Alors, j'ai un ticket resto. Et le reste en carte. Merci. Tac. Merci. Attendez là. Attends, trop de trucs là, faut il me donne un verre, wesh. Merci. Tac, est-ce que ça va se renverser? Tac. Merci, bon courage. Ok, là les mecs, faut vite aller se mettre quelque part. Attends, j'ai le dos droit. Ça va se renverser, je le sais, je le sens. Attends, on va aller se mettre là-bas. Oh, ça va se renverser, j'ai trop le seum, il va avoir du coca partout. Et en plus, elle a donné voilà les sauces devant. Donc je suis sûr elle les a données aux autres devant et pas à moi. Attends frère. Ils m'ont donné un verre, j'étais en moto. Eh oh, je suis pas une voiture moi, vous calmez. Oh, il s'est déjà renversé? Non. Eh, depuis quand ils font plus de l'eau en bouteille, wesh?
J'aurais dû prendre une canette de 8-6. Moi j'ai 40% de glaçons là-dedans. Really, nigga. Premier repas de la journée, un petit coco. Va falloir bombarder pour rentrer. Ah vas-y, c'est imbuvable. Frère, vas-y, c'est la pire vidéo pour aller chercher un McDo. Âme sensible, s'abstenir, mon frère. Mais je suis obligé, attends. Oh là là, ça ira. Hop, on va mettre ça par-dessus pour éviter le carnage. Bon, là, font bombarder pour rentrer. Et j'ai fait 50 mètres, tout s'est renversé. J'ai la mort. Et en plus, j'ai même pas enlevé les cornichons. Vas-y, j'ai trop le seum. Ah. Comment les livreurs Uber Eats en moto, en scoot, en plus, ils font plus de zigzags et tout, ils roulent comme des tarés. Et je suis le seul pélo, ils s'engagent comme ça. Allez, là, on va devoir bombarder pour rentrer. Oh, j'ai trop le seum. Et je vous jure, je vais faire un jour dans la vie d'un livreur. Vous êtes chaud ou pas, je le fais. Parce qu'en vrai, je vous jure que je peux le faire. Genre, j'ai les contacts pour le faire. Et je fais une journée dans la peau d'un livreur en 50. Oh là là, les frères. Et si vous mettez 5000 likes, je le fais. C'est bon ou pas? 24 heures dans la vie d'un livreur en 50 cc. Je vous jure, je le fais. Oh bordel. Le plus drôle, ça serait de livrer des abonnés. Eh là, je suis obligé de bombarder, sinon il va refroidir. Je roule comme un tortue ninja, frère, avec le dos courbé pour pas le renverser, le coca. Eh, ils se suivent bien, les tortues qui étaient dans l'herbe. Hein. Elles vont se mettre au coca, là. T'en arrives dans la courbe. On passe à deux, là. Je sais pas, je force le passage, Nick. Hein. Merci, frère. Ouais, c'est ça, c'est un bail, frère. Je sais toujours pas lire le panneau. Ah là c'était peut-être un rapport de trop. Là c'est le petit arrêt au stand, vite fait 5 secondes, tu changes les pneus avant, pneus arrière. Regarde, on va les rattraper en 2-2. Eh, je pensais les mecs, si vous faites arrêter cet été pour un excès de vitesse, vous faites arrêter en contrôle. Oui, bonjour, pourquoi vous roulez vite? Ouais, les frères, mon test PCR là de 24 heures, il se finit dans même pas 30 minutes. Et si j'arrive pas avant dans 30 minutes là où je dois aller, mon test il est niqué. Tu penses que ça c'est une excuse? Moi là, mon excuse c'est que j'ai un McDo, que j'ai pas envie de le manger froid. Déjà qu'il y aura des cornichons, qu'il y a des glaçons dans le coca, qu'il reste un demi-coca que j'ai payé en XL. Vas-y, frère, trop le seum. Là, bien sûr, va falloir en laisser passer, même pas. Là, je prends l'intérieur. Pourquoi tout est fermé le mardi, frère? Il y a quelque chose aujourd'hui? Regarde, j'accélère comme ça. Ça, c'est une dédicace à Nico, frère. Frère, il va avec son cher co, il va, je crois, au lycée ou quoi. Il y avait plus de poignée, il y avait juste le câble. Tu le vois, il fait des vidéos, frère. En plus, il tape des bourres. Hein. Il est là avec son câble d'accélérateur dans la main. Non, c'est un bon, ce mec. On se parle des fois, vite fait. On s'est en DM. Ah, il est trop drôle. Par contre, ça cherche quoi à l'arrache hein. Oh, maman. De toute façon, je lui ai dit, dès qu'il peut, il vient tester mon kit 70. Y'a aucun souci avec ça. Avec le bruit de ma tondeuse à gazon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend quoi en photo, mon ref? Enfin, elle vient en vélo, elle met son gilet jaune pour prendre quoi en photo? Même moi, je me le demande. Voilà, les frères, je suis désolé. J'ai la dalle. Ça c'est chiant dans les derbies, les vitesses, des fois t'as envie de rétrograder frère et y a rien qui se passe et genre faut vraiment appuyer, enfin bref y a une technique, ou soit tu remontes et tu redescends, tu vois ce que je veux dire. Tu fais quoi? Mon frère, tu fais quoi? Non mon frère t'abuses là. Non mais tu fais quoi? Non mais on est à 19 là. Oh alors toi mon pote, tu penses qu'il s'arrête que pour moi? Bon les mecs, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. C'était court mais intense et moi je vais aller grailler ça mon pote. Petite dédicace à vous, peut-être que je vais vous faire une dégustation, je sais pas si je suis chaud. En tout cas, salut les mecs.